qui est notre orateur. S'il n'y a plus de temps de pleurer, ne pleure plus, parce que Dieu te connaît. La Bible me dit ceci, Dieu bénit selon le cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton âme? Dieu ne bénit pas comme ça au hasard. Lorsque tu es de Dieu, tu regardes le fond de ton cœur. La chose qui est dure, c'est de connaître qui tu es réellement. Le pasteur Lydia est mariée et mère de deux enfants. Elle est connue pour sa ferveur et son engagement au ministère EDCV qu'il a accueilli à Orléans. Elle sert aujourd'hui à l'église de la Passion des âmes perdues et demeure une servante à part entière de la maison EDCV. Sous vos acclamations, recevons le pasteur Lydia Mutombo. Merci Samuel. Je sais que les hommes, c'est mieux d'épouser un
que, homme, toi la femme, tu peux supporter quand il est mal. Mais un homme qui a une femme pasteur, des fois, je ne suis pas avec lui. Je suis dans mon sanctuaire. Il est là-bas seul. Il me soutient. Je voudrais que vous appuyez la paix. Merci à Dieu pour avoir tout ce qu'il y a. Ceux-là qui veulent nous parler,
15 ans. Et des gens qui sont là. À tout le monde, Dieu. L'onction, c'est quelque chose que tout chrétien doit désirer dans son corps, dans son esprit, dans son âme. Parce qu'un chrétien sans onction, c'est un chrétien mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le pasteur Alain. Je voudrais que vous réalisiez. 1 Samuel 17, verset 17 à 22. Tu m'as ouvert ta Bible dans 1 Samuel 17, verset 17 à 22. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dans le livre 1 Samuel 17, verset 17. Isaïe dit à David, ton fils, prends pour tes frères cet éphah de grain rôti et cet dix pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces dix fromages au chef de leur lumière. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge de partir, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait les cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien. Des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se font. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si on nous parle de l'histoire de David, David était dans une famille où ses grands frères, il avait trois grands frères. C'était un mois de bitina. Je veux dire à quelqu'un, David était comme on dit chez nous, mana bitina. Un enfant négligé qu'on avait envoyé dans la forêt, perdre les brebis de son père, de toute la famille. David était quelqu'un que lorsque le prophète Esaü est venu. Il a demandé à Esaü, il dit, Dieu m'envoie ici pour bénir quelqu'un, pour être quelqu'un, afin de devenir un roi. Amen. Le papa était là, très content, il dit, j'ai mes trois fils. Les gars, il y a le pasteur. Il dit, voilà, le premier, le deux, le troisième. Samuel dit, non, c'est pas lui. Samuel dit, non, c'est pas lui. Il dit, mais non, il n'y a pas quelqu'un. Il dit, il y a un enfant qui est en train de perdre le brebis. Samuel dit, je veux voir cet enfant-là. Alléluia. Alléluia. Toi qui es là, si dans ta famille ou dans tes amis, quelqu'un ne te considère pas, dis que Dieu me considère. Amen. Je veux dire à quelqu'un de se considérer. Amen. Même si l'homme ne te considère pas, toi, considère-toi. Amen. Que tu es quelqu'un. Considère-toi que Dieu a un plan dans ta vie. Considère-toi que tu es dans le plan de Dieu. Amen. Considère-toi une vie.
tremble devant des Philistins. Alléluia. David est venu. Il a demandé à ses frères et à ses soldats, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils lui ont dit, il y a un Philistin là-bas. J'ai dit, hein, ton Philistin te tabrisera du problème. Alléluia. Ton Philistin de ta vie sera éboulé. Alléluia. C'est pas par 5 pierres. Une seule. Je vais descendre. Alléluia. Amen. Parce que là où on est là, on doit se comprendre. Yes. Tu dois savoir qui tu es. Pasteur, si tu ne connais pas qui tu es, ta vie va tourner à rond. Divine, l'onction repousse, l'onction attire.
Tu seras malade.
S'il ne veut pas te boire, il va te laver. S'il ne veut pas te laver, il va te boire. Mon action restera ton action. Ceux-là qui viennent recevoir
Thank you.